Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Covid-19. Deux navires approvisionnent le marché local en riz. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Depuis le 6 avril dernier, la Côte d'Ivoire a renforcé son stock de sécurité en matière de riz, avec l'arrivée de deux importantes cargaisons en provenance de la Thaïlande, estimées à 44 000 tonnes de riz parfumé. Le stock de sécurité déjà existant, évalué à 5 mois, bénéficie d'un stock additionnel de 4 mois supplémentaires, toute chose qui écarterait l'éventualité d'une pénurie. Dans la situation de crise que nous connaissons, nous avons voulu nous inscrire dans une démarche qui se veut rassurante et montrer à la population la disponibilité de stocks de riz qui se trouvent dans nos magasins. En effet, les stocks disponibles nous permettent de livrer nos différents clients. Une nouvelle rassurante, surtout qu'il est constaté depuis quelques jours un ralentissement des exportations de riz dans les pays producteurs comme l'Inde et le Vietnam en raison du confinement face au Covid-19 dans ces pays. Le Vietnam, troisième fournisseur mondial de riz, a décidé de limiter ses exportations il y a une semaine pour préserver ses stocks. Pour l'Inde, qui est le premier exportateur au monde, même si cette option n'est pas encore évoquée, il faut relever une désorganisation de la logistique qui met à mal les exportations dans ces pays. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.